بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية، وهذا اليوم لدينا درس بعنوان لافخاز. لافخاز أي الجملة، الجملة observation et découverte. Le bébé dort dans son berceau. Le bébé dort dans son berceau. Le stylo l'apporte les élèves. Le stylo l'apporte les élèves. Regardez la première phrase. Le bébé dort dans son berceau. Le bébé, qu'est-ce qu'il fait le bébé? Le bébé dort. Qui dort dans son berceau? C'est le bébé. C'est-à-dire, c'est une phrase complète, correcte. Il donne une information. C'est quoi? C'est le bébé dort. C'est-à-dire, c'est une phrase correcte et complète. Il donne une information. Commence par majuscule, se termine par un point. Se termine par un point. Regardez la deuxième phrase. La deuxième phrase. Le stylo l'apporte les élèves. Le stylo l'apporte les élèves. Regardez bien, c'est un ensemble de mots, ou c'est un groupe de mots. Le stylo, la porte, les élèves, commence par majuscule, c'est comme la première phrase, se termine par point, mais la phrase, le stylo, la porte et les élèves. Est-ce qu'il y a un sens? Je crois pas. Il n'y a pas de sens. C'est juste des mots qui se suit, qui se termine par un point. On dit que la première phrase est correcte. Correcte parce que commence par majuscule, se termine par point et il a un sens. L'essentiel qu'il a un sens. La deuxième phrase, il n'y a pas de sens. Qu'est-ce que je dois retenir? Je retiens, la phrase est une suite de mots qui a un sens. C'est comme la première phrase, le bébé dort dans son berceau. Le bébé dort dans son berceau. La phrase est une suite de mots, c'est-à-dire se compose des mots. La phrase est une suite de mots qui a un sens. La phrase commence toujours par majuscule et se termine par un point. La phrase commence par majuscule et se termine par point. Par point, pas toujours point simple, mais parfois on trouve point d'exclamation, point d'interrogation ou des pointillés. Je répète, la phrase est une suite de mots qui a un sens. La phrase est une suite de mots qui a un sens. Exercice. Souligne la phrase correcte. Souligne la phrase correcte. Je commence par la première phrase. L'élève écrit la leçon. L'élève écrit la leçon. Est-ce que c'est une phrase correcte ou non? Qui écrit la leçon? C'est l'élève. L'élève, qu'est-ce qu'il fait l'élève? L'élève écrit la leçon. C'est-à-dire, la phrase, elle a un sens, est une suite de mots, commence par majuscule, se termine par point, et il a un sens. C'est-à-dire, c'est une phrase correcte. Le jardin, la porte, les silos. Le jardin, la porte, les silos. Regardez avec moi, commence par majuscule, se termine par un point, mais il n'y a pas de sens. Ce sont une suite de mots, mais il n'y a pas de sens. C'est juste des mots juxtaposés, pas sens, pas une information. Deuxième, troisième phrase, vous parlez bien la langue française. Vous parlez bien la langue française. Vous regardez, qu'est-ce qu'il donne? Une information, c'est-à-dire on comprend on parle avec des gens qui parlent
Bien, la langue française commence par majuscule, se termine par un point. C'est-à-dire les deux phrases sont justes. La première, la deuxième, non, ce n'est pas une phrase correcte. Deuxième, c'est une phrase. La troisième, c'est une phrase correcte. Et la troisième, aussi, deuxième, ce n'est pas une phrase correcte. Parce que la phrase est une suite de mots qui a un sens. Est une suite de mots qui a un sens. Merci à votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. N'oubliez pas le pouce bleu. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.